Et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Nous sommes vraiment contents d'être avec vous en ce moment crucial pour que nous puissions remercier le Seigneur pour une excellente journée qu'il nous accorde sans malheur, sans accident. C'est votre émission, Dormir en paix avec Jésus, qui est rentré chez vous maintenant. Préparez-vous pour que nous puissions rencontrer le Seigneur. Car notre Seigneur Jésus nous promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur, mes frères et sœurs, notre Jésus est là. Nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas de vie sans notre Dieu. Il nous promet la paix en nous disant: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Alors, mes frères et sœurs, vous devez avoir une forte confiance dans notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Dieu de l'univers, la force de force, la puissance de puissance qui nous promet qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur, comptez sur notre Jésus. Et nous allons avoir la victoire. Et la victoire doit être finalisée. Qu'il en soit ainsi. Allons-nous ensemble de la prière pour que nous puissions inviter le Seigneur. Papa, notre ciel là, libérateur, le Dieu de l'univers, la force des forces, la puissance des puissances, l'autorité des autorités, le lion de la tribu de Juda, la force des forces. Merci infiniment, Yahweh, pour une grande opportunité que tu nous accordes durant cette bonne journée, sans malheur, sans accident. Et maintenant, tu nous donnes la chance d'être là. Je paie, pardon pour toutes nos fautes par mauvaise action, par mauvaise pensée, par mauvaise parole, nos fautes par ignorance, par négligence, par convoitise. Nous te demandons au Seigneur de les effacer en nous, car sans toi, nous ne pouvons rien faire, sans toi, personne ne les verra la main ni le pied. Merci Jésus pour une excellente journée. Merci déjà pour cette nuit. Je te demande de nous toucher dans nos corps, nos âmes, nos pensées, nos esprits et de nous à briser toutes les puissances sataniques et démoniaques, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Seigneur, nous mettons ma famille devant toi, ma femme, mes enfants, ma maman, mon papa, ma grande sœur, mon grand frère, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines, mes frères et sœurs. Éparpillés à travers le monde, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, éparpillés à travers le monde, mes collègues pasteurs, mes collègues chrétiens, chrétiennes, je te demande, Seigneur, de les accompagner, de les aider à vivre la vie qui était en Jésus-Christ, car nous ne pouvons rien faire sans toi, Seigneur. Nous comptons sur toi parce que tu nous promets que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde et personne ne peut contrecarrer cette parole. Voilà pourquoi, cher Père, nous te disons merci. Déjà, nous mettons devant toi la mission, Dormir en paix avec Jésus, qui diffuse chaque soir à 7 h. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister, de nous donner des paroles, de mettre dans nos bouches des paroles qui peuvent aider les autres à avoir du courage, à avancer sans problème, sans crainte, sans peur. Merci pour la vie éternelle, merci pour la protection, merci pour le sacrifice à la croix. Merci pour la bénédiction de toutes sortes. Nous te demandons aussi de nous combler avec grâce, avec puissance et de nous à vivre l'évangile la façon dont tu es, car sans toi, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons rien faire. Nous comptons sur toi, Jésus, et aide-nous à te comprendre beaucoup plus pour que nous puissions vivre ta gloire, vivre tes témoignages, vivre tes miracles, tes merveilles, tes prodiges pendant toute notre existence. Au nom de Jésus, que cette émission soit une émission de bénédiction, de grâce, de puissance, de toutes sortes, au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Mes frères et sœurs, nous sommes vraiment contents de vous rejoindre pour vous présenter cette émission. Et nous voulons saluer notre grande sœur Titoutoy qui nous écoute depuis la France et servante, bon Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment, toi et ta famille. Car tu aimes la parole, tu aimes la prière, j'aime ça. Et je crois que vous allez bénéficier beaucoup plus que ça
Parce que la prière, c'est l'oxygène de nos âmes, de nos pensées, de nos corps. Nous ne pouvons pas bien respirer sans la prière, parce que la prière, c'est la communication avec notre Papa qui est au ciel. C'est vraiment excellente de la part de toi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu fasse des choses extraordinaires dans ta vie quotidiennement. Nous comptons pour nous capables d'aller avec vous dans la lecture de la parole. C'est le psaume 91 que nous allons lire pour vous. Et nous considérons ce psaume comme le mot de passe de notre mission. Et je crois que déjà, mon Dieu va vous bénir abondamment. Gloire à Dieu. Très bien, Tetoutoy. Très bien, très bien, très bien. Nous pensons que Dieu a pris note et Dieu va vous récompenser parce que tu aimes communiquer à ton papa. L'absence de la communication donne beaucoup de problèmes dans n'importe quelle institution. Et la plus grande institution, c'est l'Église que Dieu a établie. Nous pensons que l'Église doit rester en communication avec le Père qui est au ciel de jour, de temps en temps, instantanément. Et voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre 1 Thessaloniciens 5, le verset 17e, « Priez sans cesse. La prière donne du repos, la prière change toutes choses. La prière donne la protection, la liberté, la guérison, la santé de toutes sortes. Et ceux qui ne veulent pas prier et ne veulent pas avancer. Alors, je pense que vous êtes vraiment intelligente et Dieu aime ça avec beaucoup de chaleur. Ça fait chaud au cœur, Tetoutoy. Je vous aime tant en Jésus avec toute la famille. Espérant que ta famille va bien, grâce à Dieu. En Basel, bon Dieu, monde qui cherchait protection, bon côté bon Dieu qui est en haut dans le ciel là. Monde qui était caché en Basel, bon Dieu, qui gagne tout pouvoir, qui a dit Seigneur, c'est où qui toute défense, moi, c'est où qui toute protection, moi, ou c'est bon Dieu, moi, c'est dans où moi mettez toute confiance, moi. C'est lui-même qui peut quitter ou prendre appel, hein. C'est lui-même qui peut quitter maladie, qui peut touiller ou tomber sur où. La prouver ou en Basel, lui, pour rien pas arriver au côté ou caché. Hein. La toujours que mes paroles, lui, c'est ça qui protection, ou c'est ça qui défense, ou. Ou pas besoin de bagaille qui fait mon père la nuit, ni qui n'a pas besoin de casser pour malheur qui arrive la journée. Ou pas besoin de mauvaise maladie qui a tombé sur le monde dans la nuit, ni épidémie qui a tué le monde gros midi. 1000 monde te mettent sur le bord gauche ou 10 000 sur le bord droit ou, en rien pas privé ou. Ou après été comme ça, ou après gardé, ou après j'ai bail méchant, ça y a mérité. Parce que vous prenez Seigneur pour défense ou, parce que vous prenez bon Dieu qui a renoncé la protection. Aucun malheur dans le privé. Aucun méchant ne peut approcher de mon côté. Mon Dieu a passé des années de l'autre pour vous veiller sur, pour vous protéger au côté au passé. Il a porté vos mains pour ne pas casser vos têtes et vous sur aucun roche. Il a marché sur lui avec ses serpents, au cas où il y a un scorpion en bas pied. Mon Dieu dit m'a sauvé mon cœur, même m'a protégé mon qui connaît moi. L'enrelé m'a répondu, l'enrelé m'a trahi, m'a plaît avec lui, m'a délivré, m'a fait respecter, m'a fait vivre longtemps, m'a fait louer, Jean m'a délivré. Nous allons méditer avec vous sur ces trois versets, sur les trois versets finaux de ce psaume, du psaume 91, c'est le verset 14e, qui dit, « Bon Dieu dit, m'a sauvé monde qui remet moi, m'a protégé monde qui connaît. » La question qu'on doit se poser, est qui est-ce qui remet bon Dieu, qui est-ce qui connaît bon Dieu, qui ça m'a fait pour me connaître bon Dieu, qui ça m'a fait pour moi remet bon Dieu. Parce qu'on peut le monde pas connaître, ça veut dire, remet bon Dieu, connaît bon Dieu, remet bon Dieu. Non, Jean 14, le verset 15e, la parole de Dieu dit que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Cela veut dire que bon Dieu dit, m'a sauvé monde qui remet moi d'abord. Alors, un monde qui remet bon Dieu, c'est un monde qui respecte les commandements de Dieu. Un monde qui remet bon Dieu, c'est un monde qui respecte les commandements de Dieu. Si vous ne respectez pas les commandements de Dieu, ou pas remet bon Dieu,
Et dès que vous n'aimez pas Dieu, eh bien, c'est difficile de trouver le salut. C'est impossible, complètement, quasiment impossible de recevoir le salut, de trouver le salut. Mais dedans, et voilà pourquoi nous devons nous arranger pour pouvoir appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Parce qu'il n'y a pas de l'amour pour Dieu sans le respect de sa parole ou de ses paroles. Bon Dieu dit, m'a sauvé mon qui même, m'a protégé mon qui connaît. Qui monde qui connaît bon Dieu? Qui monde qui connaît bon Dieu? Ce monde qui a accepté Jésus comme son vrai personnel, yo, et puis qui mettait parole bon Dieu en application aussi. Et dès que vous appliquez la parole, vous acceptez Jésus comme votre sauveur et maître, et vous appliquez la parole de Dieu dans ta vie, eh bien, vous connaissez Dieu, et ensuite, vous aimez Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous connaissez Dieu, la Bible dit que vous allez trouver la protection et le salut. Vous allez trouver d'abord le salut et la protection. Parce que le Dieu de l'univers, ce n'est pas seulement le salut en Jésus-Christ qu'il nous donne. Il nous donne d'abord le salut et ensuite il nous donne la protection, la santé, la bénédiction, la grâce, l'amour, la paix, la joie, la paix intérieure. Et Libanon, elle me dit la paix, c'est la vraie paix que Dieu donne. Dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 27e, Jésus disait, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Cela veut dire quoi? Lorsque vous avez reçu Dieu à travers Jésus dans votre vie, eh bien, vous avez une paix intérieure. Les gens du dehors n'ont pas la même espérance que vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en paix. Vous êtes en paix, vraiment en paix. Vous avez la quiétude d'esprit. Même quand le monde est en train de branler, et de mouvementer avec fracas, mais nous qui sommes en Christ, nous ne devons pas avoir peur. Car Jésus nous donne la paix. Ce n'est pas n'importe monde qui promet nous la paix. Hein? C'est Jésus de Nazareth qui est monté la croix, qui gourmet avec la mort, et puis il prend pouvoir dans la mort. C'est la mort, nous met avec, il prend le pouvoir dans la mort, et puis il remet nos pouvoirs. Aujourd'hui, la mort n'a aucun pouvoir sur les vrais croyants. Et c'est ça que fait, bon Dieu dit, m'a sauvé mon qui remet moi, m'a protégé mon qui condamne. Un monde qui vient Jésus, un monde qui a appliqué la parole, il remet bon Dieu, et puis il connaît bon Dieu. Dans le verset 15, il dit, les mouns qui remet, les mouns qui connaissent, relèm, m'a répondu, les mouns qui m'a plat avec lui, m'a délivré, m'a fait respecter, m'a fait vivre longtemps. Alléluia, m'a fait louer, je m'a délivré. Cela veut dire que lorsque nous recevons Jésus comme notre sauveur et maître, nous appliquons la parole de Dieu, nous avons des privilèges à bénéficier. C'est des privilèges célestes d'abord, et des privilèges que les hommes ne peuvent pas donner, et ensuite nous avons aussi des privilèges terrestres que nous allons bénéficier. Par exemple, l'homme ne peut pas donner la santé, la guérison, la vie, la protection, les puissances surnaturelles, les hommes ne peuvent pas les donner. Et ensuite, ça nous besoin pour nos vies, vêtements, cailles, etc. Et, par exemple, des vents malfaits, azam, kidnappés, assassins volés, nous avons protection la caille, bon Dieu. Bon, pas qu'il y a des gens qui comprennent bon Dieu très mal. Il y a des gens qui pensaient que, en monde qui a servi bon Dieu, lui seulement capable de recevoir le salut, mais soit le cas mourir n'importe les, méchant qui a tué les ouvrés, méchant qui a voué à l'abattre les ouvrés. Mes frères et sœurs, c'est complètement faux. C'est vraiment faux et archiment faux. Personne qui a marché à Christ, pas qu'à mourir avant l'aile. Et je vais vous partager des versets clés qui supportent cela. Et dans le livre Proverbes, chapitre 10, le verset 27e, regardez avec moi. Et Proverbes, chapitre 10, le verset 27e. La parole de Dieu déclarait,
créatif pour bon Dieu fait mon vivre longtemps, mais méchant yo mouri avant l'heure. Créatif pour bon Dieu fait mon vivre longtemps. Créatif pour bon Dieu fait mon vivre longtemps, mais méchant yo mouri avant l'heure. Cela veut dire que lorsque la crainte de Dieu, un monde qui accepte Jésus, qui pas respecté parole, son monde qui pas aimé bon Dieu, qui pas connaît bon Dieu, et en plus son monde qui pas est créatif pour bon Dieu. Sou pas créatif pour bon Dieu, ou mourir avant l'heure. Ne vous pas créatif pour bon Dieu, ou mourir avant l'heure. Mais méchant yo mouri avant l'air. C'est méchant, on méchant. C'est méchant ou de mourir avant l'air. C'est pas chrétien. On croyant pas qu'à mourir avant l'air. Non, 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 non. On vrai croyant pas qu'à mourir avant l'air. Si nous te croyons comme ça, arrêtez de croire ça dans tête. Chrétien, chrétien, qui a marché avec bon Dieu fidèle. Kidnappé, pas qu'à kidnapper. Si tu as un kidnappé, kidnappé, connaît son leçon. Bon Dieu voulait l'apprendre, son témoignage. Mais a fait tout, il a jamais. Pourquoi? Parce que la Bible dit maladie pour tuer ne pas qu'à tomber sur nous. D'ailleurs, quand nous sommes dans cet esprit, mon Dieu ne peut jamais quitter comme ça. Il n'y a aucun méchant, aucun voleur dans le monde. Mon Dieu dit bon pas durer. Les gens dit bon pas durer, c'est les gens qui n'ont pas de croyance dans mon Dieu qui dit ça. Bon, même quand on est dans l'église, il dit bon pas durer, c'est une parole de sensation, une parole de résignation, une parole qui n'a pas aucun aspect biblique. La Bible dit que créatif pour bon Dieu fait mon vivre longtemps, mais méchant yo mouri avant les yo. Qui moun ki mouri avant les? C'est les méchants. On moun pa kap machak bon Dieu, pourquoi que méchant ge pouvoir sou la vie ou? Sou di méchant ge pouvoir sou la vie ou? Sou di abrivé. Parce que la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Dès que vous croyez quelque chose, ça va arriver. Mais ce que vous ne croyez pas et ne pourra pas, ne pourra en aucun cas arriver. Est-ce que vous comprenez? Là, vous devez croire à la parole à 100%. Créatif pour bon Dieu faire mon vivre longtemps, mais méchant yo mouri avant l'air. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que dans verset 28, sa moun kap mache droit yo aptan lan va arriver. Vrai, mais méchant yo pa bejam joine sa aptan lan. Est-ce que vous comprenez? On nous avance dans l'autre verset pour montrer nous qui sa parole bon Dieu dit. Et gardez avec moi dans verset 20, dans chapitre 10 là. Hébreu, alors, Proverbe 10, verset 20, excusez-moi. Et Proverbe 10, verset 20, au nom de Jésus. Parole qui sortit dans bouche, parole qui sortit dans bouche moun, kap mache droite, c'est l'or. Mais l'idée kap travail dans tête yon méchant, ça pas vaut rien. Est-ce que vous comprenez? La en bonne logique, ça ou quoi, c'est ça kap mache. C'est pas ça méchant croyant. Et ça peut pas j'aime quoi moun ka iten la vous. Pas j'aime quoi moun ka fò mal. Les pou quoi ça, ça a privé. Parce que m'a dit nous croyons sous trop pouvoir dans bon Dieu. Proverbe 11 verset 4. Proverbe 11 verset 4. Jou malè, richesse pa ka servi ou rien. Mais si ou se moun sérieux, ou ka sauvé la vie ou. Alléluia. Alors vous comprenez là mes frères et sœurs. Nous avons une forte possibilité en Dieu. Que les gens inconvertis ne possèdent pas. C'est de tout, regardez verset ça avec nous. Non, Proverbe 12, verset 21. Malè pa jam rive moun kap mache droit. Proverbe 12, 21. Malè pa jam rive moun kap mache droit. Mais pour méchant yo, c'est abse sou clou. Cela veut dire que méchant sauti nan malè, tobi nan malè. Méchant sauti nan malè, tobi nan malè. Mais moun kap mache droit, la malè pa karive. Le bon Dieu dit yon bagay nou fait moun kwe la 100%. Pas quitter rien dans le monde, ça fait nous pas quoi ça, bon Dieu dit. Comprenez bien. Là, la Bible dit que, dans verset 28, là, Proverbe 12, verset 28, fais ça qui doit, ou joindre avec la vie. Fais ça qui mal, ou joindre avec la mort. Fais ça qui doit, ou joindre avec la vie. Fais ça qui mal, ou joindre avec la mort. Qui monde qui joue avec la mort, c'est monde qui fait ça qui mal. Monde qui fait ça qui bien, pas qu'à joindre avec la mort. Et ça fait, deux fois, il y a des qui sont arrivés chrétiens, c'est parce que les chrétiens sont très négligents. Ou ap sauti ou de prier. Prends Somme 121. Lili, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant à toujours. Mande Seigneur protéger ou. Ou ap sauti. Dis Seigneur protéger ti moun yo, protéger famille. Protéger nous, rendre nous invisibles. Les pour porter nous dans main, porter nous dans main. Parce que dans Somme 111, la Bible dit que bon Dieu a passé dans yon l'autre pour yon porter nous dans main yo. Pour nous pas casser sauter puis nous sur aucune roche. La nouvelle que Dieu a fait des planifications pour nous sur le plan sécuritaire pour que nous puissions vivre en paix et à l'aise. Dans ce monde. Là, nous voyons que le Seigneur lui fait planification pour nous capables de protéger. Il dit que, dans Proverbe 12, verset 21, malé pas jamais arrivé, moun kap marche droite,
mais pour mes chers aussi, abcès sur tout. Et il dit que dans verset 28 là, fais ça qui doit ou joindre avec la vie, fais ça qui mal ou joindre avec la mort. Ces deux versets nous montrent qu'il y a une grande différence entre les gens pratiquant le mal et les gens pratiquant le bien. Et dans verset 21, dans chapitre 13 là, proverbe 13, verset 21, malais a possible moun kap fait ça qui mal, mais moun kap marche droit a besoin de bonne récompense. Gloire à Dieu. Alléluia. Là, en bon logique, le Seigneur nous donne des protections rassurées et rassurantes pour que nous puissions vivre avec la paix que Jésus nous donne. Là, il dit que dans verset 26, dans chapitre 14, là, proverbe 14, verset 26, l'ayant moun gécrétif pour bon Dieu, l'idée côté pour l'appuyer, petit lieu a besoin de protection pour côté bon Dieu. À cause créatif, moi-même, moi gagné, ou même moi gagné, papa a gagné, madame a gagné, Kaila, Timounio, je viens de côté pour y appuyer. C'est ça la parole de Dieu dit. À cause créatif, maman, papa a gagné pour bon Dieu, Timounio a gagné côté pour y appuyer, et puis il dit, yo a besoin de protection pour côté bon Dieu qui est dans le ciel là. Ça veut dire, notre protection n'est pas sortie dans l'homme, mais sortie dans bon Dieu directement. Et le verset 27e nous dit que, gagné créatif pour bon Dieu, ou a gagné la vie, ou pas tomber les lavons en danger. C'était tout oui. Ou pas qu'à tomber les lavons en danger. Parce que moi, je crois, et je compte sur toi, avec un fort pourcentage, que vous allez multiplier tes craintes pour Dieu. C'est ce que je crois. Parce que une personne qui possède la crainte de Dieu ne peut pas avoir honte. Est-ce que vous comprenez? Ou pas qu'à moi avant l'air. Des bagages qui t'a pour niveau, c'est mal fait qu'il y a la privée, c'est méchant la privée. Et ça que moi-même, je démantelé par ça me dit, bon pas durer. C'est de yoa, c'est pas dans Christ. Moun qui n'a Christ, moun qui n'a Christ, pas qu'à finir avant l'air. Et en vérité, m'a dit non bagay. Non, somme neuf, m'a dit non bagay. Le ciel campé pour nous, en vérité, méchant que Pavle ou l'a passé mal. D'ailleurs, vous comprenez ça? Mal fait que Pavle ou l'a passé mal. Depuis pour observer bon Dieu. Méchant parler ou là, eh bien, ou met quoi la passe mal. Dans Somme 9, le verset 15, il dit Moun l'autre nation fouille un gros trou, c'est eux même qui tombent là-dedans. Moun l'autre nation tend un pèlin, c'est puis eux qui prennent là-dedans. Et Somme 35 dit la même chose. Regardez bien le Somme 35, c'est ça, il dit la même chose. Là, il dit que dans Somme 35, verset 8, mais il a prêté qu'on s'amalait à tomber sous yo. Il a pris un pèlerin au tétanlan. Il a tombé dans trou yo tefouillé ya. Moun kap ma chaque bon Dieu. Gon pleine assurance. Nous avons une pleine assurance en Christ. Car le sang de Jésus symbolise notre délivrance. Pas oublier lorsque les Israélites, les Juifs étaient en Égypte. Peuple sa tape souffrir 430 ans de misère en esclavage. Eh bien, qui ça le Seigneur te fait pour te libérer yo? Le Seigneur. Te prend, fait ou prend 100 moutons, hein, passer dans les taux pour Kaila, les uns de la moi passer pour tuer les premiers-nés, eh bien, qui s'est passé, tout côté récent, il est obligé de sauter Kaïsa. Et ça fait, en hébreu, Pâques veut dire sauter, passer dessus. Maintenant, si le sang des boucs et des taureaux avait une forte puissance, combien a plus forte raison le sang de Jésus pour le pata gagner une forte puissance? Le sang de Jésus est beaucoup plus puissant que le sang des boucs et des taureaux. Voilà pourquoi dans le livre Hébreux chapitre 10, verset 1 à continuer, dans verset 5 là même, l'Éternel dit, le sang des boucs et le sang des taureaux ne peuvent pas en aucun cas de effacer les péchés. Est-ce que vous comprenez là? Alors, lorsque nous acceptons Christ comme notre Sauveur et Maître, nous avons seul bagage pour nous faire en première position, c'est vivre la vie de Jésus avec beaucoup de créatifs et puis nous finir. C'est le mot de passe de notre protection. Dès que nous vivons sous l'ensemble des principes que Dieu a établis, en vérité, notre vie, gloire à Dieu, est vraiment assurée dans Christ. Là, mes frères et sœurs, nous pensons que nous avons eu un grand plaisir d'être avec vous pour pouvoir vous présenter cette émission, spécialement c'était tout toi et nous te saluons au nom de Jésus avec ton mari, tes enfants et toute la famille. Et ne t'inquiète pas. Moi, personnellement, selon mes petites expériences à Dieu, on a besoin de peur. D'ailleurs, l'eau est ennemi à avancer pour vous et prier plus.
concentré dans la prière. Bon Dieu, qu'on quitte et arrive qu'on s'arrive dans le sens que si nous manquons de prier, il faut prier plus. Et ensuite, pour capable avancer. Parce que pas gagner danger pour ça que le Seigneur. La Bible dit que Fadoni ou la Guyobali, après montagne, Jésus pas déplacé, après problème qui pas gagné solution. Nous avons terminé avec le psaume 27, verset 2-3, qui nous dit Seigneur, c'est lumière moi. C'est lui qui délivre moi. Qui monde qui a fait peur? Qui monde qui a fait peur? C'est Seigneur qui a protégé, qui monde qui a fait me trembler. Les méchants ils ont marché sur moi, les ennemis ils ont cherché tout yem. C'est eux-mêmes qui habitent, c'est eux-mêmes qui tombent. Cela veut dire que la, si nous croyons en bon Dieu, nous devons croire en parole. Si nous ne croyons pas en parole, nous n'avons pas besoin de croire en rien. Parce que en plus fois nous croyons dans ça, mon dit dans ça, philosophe dit dans ça, mon qui lit dans grand livre dit, nous croyons en parole yo, mais nous pas croyons dans ça, bon Dieu dit. C'est douloureux et même malheureux lorsque nous ne croyons pas dans la parole de Dieu. C'est vraiment ébranlant. La Bible pas voulu ça. Les méchants ont marché sur les ennemis, ont cherché tout. Ils ont capté, ils ont tombé. Et il dit même si tout y ont la mettre à scène tout partout. Là dit la meilleure, une quantité de monde, une multitude de monde, ta scène tout partout. C'est veut dire mon papa en rien. Même si on a lu comme la guerre, m'a toujours gagné confiance dans mon Dieu. David dit mon moment de Seigneur, yon bagay mon envie en pile. C'est pour me passer toute la vie dans le Seigneur. Pour me garder le bagage lié bien, pour me prendre temps, pour me calculer dans le cas qui n'a pas pour lui. Mais David dit vérité la caille, bon Dieu. Lorsqu'on a un problème, lorsque le moment où on vit là, c'est un moment très problématique pour vous, eh bien, c'est prier plus, méditer plus, et puis partager avec un monde qui peut-être fait des expériences de foi, et puis, on va remonter moralement, spirituellement parlant, de toutes sortes, parce que la parole de Dieu, c'est médicament pour tout type de maladie, soit maladie dans l'âme, maladie en esprit, dans la pensée et autres. Et la parole de Dieu, c'est bon, pas de médicament passé. Là, il dit, non, là, David dit, pour qui raison David dit, de livrer la caille de bon Dieu, lorsqu'on prie tout le temps, on peut méditer, et laisser la caille de bon Dieu, David dit, joue mal est tombé sur moi, bon Dieu a protégé la caille, la caché bien fond dans ta plia, la levé me mette en côté pour rien pas jamais arriver. David dit, c'est comme ça, m'a gagné bataille là sur toutes les mimes qui s'aiment tout partout, m'a battu tambour, m'a offri bête pour tout yébaï bon Dieu, dans ta plia, m'a chanté, m'a fait loin Seigneur. Cela veut dire que, l'or était en basel, bon Dieu, pas de bagaille d'ol qui a passé. Si mes champs fouillent tout, c'est au cap tombé, c'est au cap bité, c'est au cap rompre, c'est au cap marché tête baissée. N'a dit tout le monde qui était connecté avec nous, bonne soirée, bon, tout le temps, déjà, ou même bonne journée, fonctionner, travailler en paix. Prend Bibo, Somme Sayo toujours, Kembeyo, Somme 91, Somme 121, Somme 46, Somme 9, Somme 3, Somme 27, Somme 30. C'est des sommes pour nous lire, méditer de temps en temps, et socialement les nous garder, les nous sentir la vie nous menacer par des forces visibles ou invisibles. Lisez ces sommes, méditez-les, et nous allons trouver la quiétude d'esprit que Dieu nous a planifié dès la fondation du monde. Qu'il en soit ainsi, mes frères et sœurs, nous tous qui sommes connectés avec nous, que le Seigneur vous bénisse. Passez une excellente soirée et pour les gens en Europe, passez une excellente journée sous la main droite de notre Seigneur Jésus-Christ, nègre qui est boîte par jambes et chaleur. L'aile nous l'avons vraie, les papes qui tombent, parce qu'il était dit dans Matthieu 28, verset 20, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur, restez sous les bras droits de Dieu et vous allez délivrer, car le sang de l'agneau symbolise notre grande délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Mon papa, toi qui es au ciel, nous te remercions parce que tu nous as accompagnés, tu nous as donné les paroles qu'il faut pour que nous puissions diffuser l'émission. Merci, cher Père. Merci pour notre grande sœur Tétoutoy qui était avec nous durant toute l'émission. Je te demande de la toucher maintenant, toucher sa famille, toucher ses enfants, et son mari. Cher Père, je te demande de la toucher avec une pleine assurance, avec des choses nouvelles, car Seigneur, tu es le même hier aujourd'hui éternellement. Bénissons-nous toute notre fanatique qui peut écouter l'émission, ça, spécialement nos abonnés. Bénis-nous abondamment et Dieu pour capable vivre émission ça yo, que émission ça apporte la délivrance pour yo dans tout compartiment yo, pour pas jamais regretter de branché et de connecté ou de abonné avec Paysa, la vraie source de toute bénédiction. Nous te disons merci parce que vous toujours mettez parole dans bouche nous
Utilisons-nous toujours parce que tu as le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cher Père, nous comptons sur toi et nous pas compter sur aucun bagage dans notre sac qui est au même. Rendre la vie nous terrible, rendre la vie nous invisible. Et les méchants t'ont fait plan pour attaquer nous. Entrer dans le passé, ils mettaient confusion. Jeter la confusion, mettaient division entre eux. Entre eux, pendant qu'ils planifient sur nos petits yeux pour faire mal. Mettaient division, mettaient confusion. Fait une goumé à l'autre. Fait une pas comprendre ça l'autre a dit. Parce que habitué fait ça déjà pour le peuple Israël là. Puisque nous, c'est continuité Israël. Fait bagaille extraordinaire dans l'époque panoua. Parce que nous gagnons les pères, les fils et Saint-Esprit qui habitaient là. Et la parole au grand complet pour que nous puissions avancer dans la bataille. Nous avons déjà la victoire en Jésus. Car Seigneur, tu nous as dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, je vaincu le monde. Ça veut dire que le monde est perdu déjà, il est perdu avec toute pareille. Il y a Satan qui est le prince de ce monde, il est perdu déjà parce que vous dites non. 1 Jean 5, 18, et puis le monde, c'est petit bon Dieu lié, il n'est pas continué à vivre, il n'a péché toujours parce que petit bon Dieu a veillé sur lui, Satan n'a pas fait rien. Satan en vérité n'a pas fait petit bon Dieu rien. Et c'est que maintenant, avec tout petit bon Dieu qui est avec nous dans l'émission Sayo, et on graine bagaille pour nous faire, on graine des fois pour nous faire. Évitez péché, mettez péché de côté. Et depuis nous, mettez péché de côté, en vérité, ça n'a pas qu'à faire rien. Qu'il en soit ainsi, bonne soirée, bonne journée à vous tous et à vous toutes. Bisous à tout le monde. À demain, si bon Dieu voulait, pour l'autre numéro. Que bon Dieu bénisse. Merci de tout oeil, merci de tout oeil. Bon Dieu bénisse. Bisous, bisous, bonne journée. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous protège, que Dieu vous fasse la grâce personnellement, familialement et autres.